m'appelle Louis Hubert, je suis analyste marché chez Elia et j'ai fait le master de spécialisation après mes études d'ingénieur civil électricien. En fait, à la fin de mes études, j'avais un profil qui était fort technique. J'avais énormément appris sur tout ce qui était technique et j'ai voulu en fait changer un peu d'horizon et apprendre des choses qui étaient un peu différentes de ma zone de confort. Et je me suis dit qu'avoir des connaissances en plus dans le domaine de la finance, de l'économie, qui sont des choses qu'on entend un peu tous les jours dans les nouvelles, ça pourrait être intéressant et j'ai trouvé en fait ce master complémentaire à la faculté de Sorbonne. Alors, les forces de ce master en spécialisation sont avant tout que c'est un master qui est donné en cours du soir, et donc je voulais déjà commencer à travailler. Et j'ai en fait pu combiner mon travail avec ce master de spécialisation. Mais il y a aussi en fait un autre aspect assez important, c'est qu'ici on est sur un master de spécialisation qui est un peu entre un master normal et un MBA. Et donc en fait on allie un peu les deux gros avantages de ces deux types de programmes, dans le sens où dans un MBA on a énormément de cas, c'est énormément de travaux appliqués, ce qui a été le cas ici. Et ici, on a aussi, en plus de ça, toute l'expertise des professeurs à Solvay. On se souvient par exemple de cours de finance où on a vraiment pu avoir un horizon et des témoignages assez précis de choses qui se passent dans le monde financier. Et c'est un peu ça qui m'a séduit dans ce master. Si je devais donner un seul mot, ça serait inspirant. Ce gros point fort d'un point de vue professionnel, c'est d'avoir cette transversalité. Ne pas être forcément un expert dans tous les domaines, mais de pouvoir comprendre les enjeux auxquels les autres sont confrontés et de pouvoir les intégrer dans la manière dont on travaille.